Hey, salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les deux ETB, les deux nouvelles ETB, donc force temporelle. Mais avant ça, petite question pour vous. Mercredi, vous voulez qu'on s'ouvre du Ultra Prisp, destiné de Paldea, ou on continue avec de la force temporelle? C'est vous qui allez me le dire, c'est vous qui vous faites l'ouverture de vendredi. Donc vous me dites exactement ce que vous voulez ouvrir. Force temporelle, Ultra Prisme ou destiné de Paldea, et je prendrai là où il y a le plus de réponses. On ouvrira l'item que vous voulez. Allez, c'est parti. Donc le TB à clé, bien sûr, j'ai foutu par terre les jetons. Les intercalaires sont jolis. Là, pour une fois, ils ont fait quelque chose de pas trop mal qui brille. Bon, il n'y a rien derrière. Bon, pas très grave. Nous avons. Allez, un petit TB pour vous. Voilà. La jolie épine de fer. Donc le tyrannosif, on va dire. Nous avons nos 3 à 6, nos 9 boosters dans celle-là. Et l'autre TB. Hop, on va faire pareil. On va même jeter par terre les affaires. Je vais vous donner la deuxième TB. Voilà. Les petits intercalaires. Et la carte promo, où est-elle? J'ai pas la carte promo. Ah si. Elle était cachée avec les boosters. Elle était dans les boosters. Donc la flotte mèche. On voit pas trop quand même sur l'illustration. C'est pas tout à fait ça quand même. Allez, et donc, vous avez vu, vous avez mis les anciens livres. Alors, c'est des livres des années fin 70. C'est les premiers livres qui sont sortis sur Marvel, bien entendu. Donc, j'en ai pas mal au grenier, des livres comme ça. Donc, je vais vous faire. Voilà, donc là, il y a les alternatives de ce côté. Là, il y a les gold. Donc, mettez arrêt sur image si vous voulez vraiment les regarder. Si vous voulez pas vous spoil. Vous passez vite fait cette petite partie. Là, nous avons toutes les AR. On va les mettre plus près. Voilà. Et là, il en manque 2, 3. Il y a 22 AR, donc ça fait beaucoup à aller chercher. En AR, bien entendu. Et là, il y a les deux qui restent avec les cartes high-tech. Les 6 qu'il y a. Voilà. Moi, il me manque juste une carte high-tech. C'est. La cape temporelle, je crois, ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc là, nous allons ouvrir le TB Auchan. Et après, nous ouvrirons le TB Micromania, tout simplement. Il n'y a que là qu'on a pu trouver les ETB, pour l'instant. Elles sont un peu en rupture. Enfin, ce n'est pas en rupture, c'est qu'elles ne sont pas arrivées dans les magasins, tout simplement. Il y a des magasins qui ne les avaient pas, donc on attendra qu'ils les aient plutôt, pour les ouvrir. On va aller en chercher d'autres. Allez, un sécateur. Pikachu. Il n'y en a que deux dans les displays. Il y en a déjà une là. Allez, frissonnille, en espérant qu'on ait des belles ETB. Meilleures que les deux premières displays, en tout cas. Parce que la troisième display qu'on a ouvert était juste formidable. Latias, dans les Atlas. Donc, il n'y a pas Latios dans cette série. Bizarre qu'ils ont séparé les deux. Rototop et Volcaropod. Donc les holos, on les a déjà toutes montrées sur la chaîne. Je crois on les a toutes eues, les holos. Donc il nous reste juste une carte high-tech à montrer, la cape, si je l'ai. On verra bien. En espérant qu'on ait une TB à au moins 3 hits. Qu'on fasse du 1 sur 3 sur les boosters, ça serait génial. Fantominus, Thiboudet. Qui est allé se rouler dans la boue, ce petit boudet, la note partout. Archéomir, guide d'exploitation, d'exploration, enfin, symbiose, dévouement de Bianca, Skitty, ben non, mais le métal, on n'avait pas en reverse le même métal en tout cas, et un Coraidon qu'on n'a pas en ex. Il nous manque 2-3 ex, je crois. Il manque pas grand-chose. J'ai pris. Et puis, j'avais commencé à prendre dans l'autre 3, 6, 7. Ouais, c'est bon.
J'avais pris dans l'autre frais booster, je suis allé chercher dans l'autre là-bas. Enfin, si je commence à ouvrir les ETB à la n'importe comment, là, enfin. Victini, Raichu, Monsieur Mime, Colombo, très très beau, Colombo, Tangalis, Conviction de Mortimer qui est juste formidable aussi en alternative. Faut y voir. Batouffe Reverse. Petite AR. Oh, on l'avait pas celle-là, c'est cool. Cool. Une petite AR qu'on n'avait pas. Un petit Texelang. Un joli hit, vu qu'il y en a 22 à aller chercher. Tant mieux qu'on les ait pas. Bah, double hit, Torterra. Voilà, Torterra qu'on avait déjà. C'est pas les petites ex qu'on va chercher. Celles-là, elles vont sortir assez facilement, les ex. C'est surtout ces cartes-là qui vont nous manquer. Exelang. Manger une glace, là, qui est en train de bien lécher les glaces. Allez, petit Exelang. Et un petit Torterra. Un petit booster à double hit. Ça fait deux hits sur trois boosters. C'est pas si mal que ça. Ça va, ça va. J'ai pas pris dans l'autre hein, quand même. 3, 6, 9. Non, il y a toujours dans l'autre. Non. Donc on est toujours dans la même ETB. C'est bon. Je suis pas allé chercher dans l'autre. Donc 2 hits dans l'ETB. On demandait minimum 3 par ETB. Ça serait super bien. Donc on a déjà 2. Allez, Charmina. Larvibule. Voltoutou. Azumarill. Ténéfix. Pachmia. Et les câbles, pas de high-tech, roue de fer en reverse, le canon en reverse aussi, et flotte mèche en holo. Ouais, on va faire une arrière, une ex, 4 boosters. On a fait, on est à la moitié de la display avec ce booster. Allez, Charbi, à flamme noire. Terral, Oot-Oot, Sinistrail. On va passer à côté des grosses cartes, comme j'ai fait dans les premières displays. J'espère pas, quand même. Qu'on puisse avoir quelque chose de bien, ça serait cool. Ponyta, qu'on a déjà en reverse, planche de sauvetage. Et là, 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 là. Miraidon. En holo. Allez. Il manque du 8, là. Il manque du 8 dans cette ETB, même s'il nous reste encore 4 boosters à ouvrir. On veut du 8, on veut du 8. Allez, Boumata. Longtemps qu'il n'était pas dans les séries, Boumata. Misdibule. Pomme de pique. Roserade. Métallos. Charpedo. Electek. Farfaduvé. Qu'on n'avait pas un reverse, parce qu'il manque beaucoup de reverse solo. Dryul, en holo. N'oubliez pas aussi, pour les 900 abonnés, voilà, la petite carte Pikachu promo avec le drag derrière à gagner sur la chaîne. Pour les 900 abonnés, on fera ça, gagner ça, bien sûr, bien entendu, avec les 3 boosters comme prévu qui vont avec. On ne changera pas les loots. On en rajoute tout simplement. Poichigeon, Vivaldin, Caïminus, Grenipio, Garde de Fer, Zeraora, Hurlequeue. Va-t-on avoir notre troisième hit, Arbok Reverse? Toujours pas de belle carte. Parfait du Véolo. Heureusement qu'on avait un booster avec des hits, pour l'instant en tout cas. Que pour l'instant, le TB est très légère. Jusqu'à qu'on ouvre les deux derniers boosters, pour l'instant, c'est du léger. On n'a pas eu une grosse, grosse TB, hein, le TB au champ. Pour l'instant, on n'est pas très belle. Mais tout peut changer avec un booster. Tortipousse, Minotaur, Archéodong, Salbio, Doudoué,
En reverse. Volcarapod en reverse qui doit nous manquer aussi. Ça brille trop. Donc c'est une holo à ligature qu'on a eu X fois. Bon, allez, on y va. Allez, Iris Foudre, fais-nous rêver, Iris Foudre. Pour ce dernier booster, parce qu'un booster avec juste deux hits dedans, l'ETB est vraiment pas belle du coup. Si on a que c'est vraiment ces deux hits, c'est pas la belle ETB ça. Hein. C'est pas l'ETB du siècle. Scolossandre, Néfli, Déflaisant, Dauphin. Allez, c'est là où maintenant ou jamais. Eh bien, c'est une, c'est pas, ça sera pas l'ETB du siècle, la première en tout cas. Finalement, entre les displays et les ETB, j'ai pris les bonnes. Vous pouvez y aller derrière moi. Je crois que vous craignez rien du tout. Allez, deuxième ETB. J'ai pris les plus mauvaises. Hein. À part la dernière display qui est ouverte. Waouh, c'est compliqué. Hein. Allez, on attaque la deuxième ETB avec Boumata, Meditica, Misdibule, Pomme de Pique, Tangalis. Je crois que c'est le même booster que tout à l'heure, sa conviction de Mortimer. On a une autre high-tech. Alors, si on peut avoir la cape, comme ça, on les aurait toutes. Bon, attrape ultime, donc celle-là, on l'a déjà. Avec les effets super beaux. Et on voit bien le même sur le rouge, là, il y a les effets aussi. Allez, double hit ou pas? Non, il n'y aura pas de double hit sur ce booster-là, en tout cas. Ah si, il y aura un double hit sur ce booster avec les Scovillains. Scovillains qu'on a déjà eu aussi. Ça fait trois fois qu'on l'a, celui-là, je crois. On l'a déjà eu, donc. Alors, j'espère que ça ne va pas être le booster du double hit et qu'il n'y aura rien d'autre, hein, parce que ça suffit. Ça suffit quand même. On peut avoir autre chose que des boosters. Bon, des double hits, on en réclame, ça c'est sûr, mais on aimerait en avoir d'autres, s'il vous plaît. Attrape ultime. Allez, une petite carte high-tech. Il manque juste la cape. Allez, c'est parti. On a déjà on fait aussi bien que la première ETB sur le premier booster. Il me semblait bien que c'était sur le booster aussi qu'il y avait Boumata en premier. Caïminus, Grenipio, Ténéfix, Pachmia, et les câbles. Un reverse, Mediena reverse. Voltoutou, un reverse aussi. Et Gardefer Holo. Bon, allez. Petit booster force temporelle, là pour l'instant, le taux de loot est assez dur. Enfin, pour moi en tout cas, il est assez dur. Peut-être pas pour tout le monde, mais moi, je me fais troll dans tout ce que j'ai. Hein. Arbok, Topico, Midiana, Tortipousse. Quelle illustration du Tortipousse. Sinistrail, Tête de Fer, Keldeo. Mime, Monsieur Mime, allez. Non, ça ne veut pas sortir derrière, là, la deuxième position, ça ne veut pas sortir, il n'y a rien qui veut venir. C'est compliqué, ça va être très 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 compliqué. Même, je vais dire, trop compliqué d'avoir ces cartes si je continue. Il va falloir, je l'ai pris à l'envers, forcément. Coup de langue. Je crois que si on n'a pas un Boumata là-devant, on ne va rien avoir à chaque fois. Hein. Crocodile, ça brille derrière, donc c'est une holo. Norfang, Belle de Neige, Delcati, Loup-Garrock. J'ai pas un reverse celle-là aussi. Faufeng, Copain, Copain. Aïdin, un reverse. Ligue Magma, un reverse aussi. Et comme prévu, une holo à la fin. Ouais, 5 boosters. On arrive à la moitié. Parce que si à chaque fois qu'il n'y a qu'un booster, on va s'ennuyer là. On ouvre des boosters pour. Il y en a à chaque fois, ça suffit. Hein. Larvibule. Ou alors il faut que ce soit des Boumata à chaque fois là devant. Matoufeu. Voltoutou.
plus, c'est toujours les mêmes forcément devant, vu qu'il n'y a que 163 cartes. 162 cartes exactement, donc il y a beaucoup, beaucoup de cartes les mêmes. Donc on retombe toujours sur les mêmes cartes, ce qui est logique. Pas beaucoup de cartes. Meltan. Allez. Oh là 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 là. On va pas y arriver. 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 Ces ETB. Je suis passé à côté aussi des ETB. J'ai l'impression que les ETB, elles sont pas pour moi non plus. Qu'est-ce qu'on va prendre du coup? Peut-être on testera. On va tester les tripacks. On va testera les tripacks. Charbi. Peut-être qu'on sera plus chanceux hein, dans les tripacks. On va prendre que ça. Hein. Chapignon. Terral. Out-out. Guide d'exploration. Symbiose. Dévouement de Bianca. Métang. On les a toutes ces reverse-là. Oh là 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 là. Oh, aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, Rugilune. Alors c'est des jolies cartes, mais on en a 50 000. Donc n'oubliez pas de mettre un commentaire pour faire la vidéo de mercredi. Si vous voulez qu'on ouvre du Soleil et Lune, du Force Temporelle ou du Ultra Prisme, ou du Paldea plutôt. Soleil et Lune, c'est du Ultra Prisme, bien entendu. Voilà. Vous avez trois choix mercredi. Vous faites le programme de mercredi et on s'ouvre du Ultra Prisme, du Destiné de Paldea ou du Force Temporelle. À vous de me dire ce que vous voulez et on l'ouvrira. Flotte mèche. Non mais c'est des ETB à 2 hits. Hein. C'est. Oh! Une full art. Noir, ça serait pas ectoplasma ça? En noir comme ça là. Ça serait génial. C'est celle que j'ai déjà. Alors vous l'avez pas vu, donc je vous la présente quand même. C'est le chef de fer en full art. En fait, c'est une des rares full art que j'ai eu dans la display tellement mauvaise que je vous avais pas présenté en photo, enfin en vidéo, parce qu'elle était, c'était horrible comme taux de loot. 7 ex et on avait une 7 full art là et une autre dresseuse je crois et que deux AR et une high tech. Voilà, c'était une display à 12 hits mais il y avait 7 ex dedans, c'était catastrophique. Bon ben une full art, on a eu 3 hits dis donc dans l'ETB quand même. Bon, même si c'est des doubles, on les aura pour la brocante qui se passe le jour où la vidéo sortira, bien entendu. Elles seront dans mon classeur d'échange ou de vente, bien entendu. Elles seront dans le classeur pour ceux qui les veulent. Allez, Spectrum. Très beau celui-là. Symbiose, Méos, Graena, Archéomyr, Netram. C'est l'avant-dernier booster. Pour l'instant, on n'a pas fait des miracles dans ces ETB, franchement. Je ne sais pas ce qu'il faut prendre pour avoir des hits. Parce que là, pour l'instant, ce n'est pas ça du tout. Montracite, Shining et Alligator, encore une fois. Bon. Désolé, mais là on a ouvert. Ça sera le 16e booster, on a eu 5 hits. Bon, ben on fera presque. Ouais, on fait quasiment du 1 sur 3. Donc on est dans le. On va dire qu'on est presque dans l'auto de loot parce que normalement c'est 3. Il m'en manque une. Il manquait une. Une dans la première display, dans la première ETB. Donc il manque un quatrième pour faire pour rattraper la première ETB. Quatrième hit, bien entendu. Bétang. Parce que là, 5, c'est petit. Pomme de fer. Ça, c'est déjà vu, revu. Archéomyr. Voilà, on y est. Mais petit ailleurs. Bon, bah c'est des doubles, hein, mais c'est pas grave. On aura une aussi hit finalement, qu'on aura fait 4 et 2. On aura une ETB beaucoup plus belle que l'autre finalement. La deuxième ETB était largement meilleure avec une ex, une high tech, une full art et une AR. Ça, c'est du très beau. L'autre était un peu plus légère parce qu'on n'a eu qu'un booster à double hit. Vous rendez compte, sur 9 boosters. 9 boosters, on a ouvert 8 boosters dans la première ETB où il n'y a eu qu'un seul hit, enfin que 2 hits dans un booster.
Voilà. Donc la première ETB, ça c'était un booster. Voilà. On a eu ça en un booster. C'est pas génial. Enfin, c'est toujours bien une arrière, mais c'est pas génial en taux de loot, un booster tout simplement. Et dans la deuxième, on a eu un Scovillain, un Fantominus. Donc ça ira dans les échanges. En fait, on a eu trois doubles. C'est un peu dommage. On a eu trois doubles qu'on mettra. Enfin, quatre doubles. Non, finalement, les quatre qu'on a, on met rien dans la collection. Non, 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 cette ETB, on a eu quatre doubles. Tout va bien. Donc sur les six qu'on a, on a eu cinq doubles. Bon, c'est pas grave. Bon, n'hésitez pas à mettre un commentaire avec surtout ce que vous voulez qu'on ouvre mercredi, du Force Temporelle, du Ultra Prisme ou du Destiné de Paldea. J'attends vos commentaires et je ferai donc la vidéo en conséquence de ce que vous aurez décidé. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles ouvertures et salut les petits clous.